Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch sur Dying Light, donc un glitch qui vous permettra de dupliquer vos armes après la mise à jour du 16 mars. Donc vous pourrez dupliquer vos armes avec une nouvelle méthode vu que l'ancienne a été patchée depuis un bon bout de temps. Donc rendez-vous sous ce pont ici, et comme vous pouvez voir j'ai deux machettes des ténèbres, et après je vais en avoir bien plus. Donc dans mon sac à dos j'en ai aucune, et j'en ai deux équipées, donc voilà. Rendez-vous exactement sous ce pont dans la carte bidonville. Donc comme vous pouvez le voir sur ce mur juste ici, il y a des trous pour s'agripper, donc c'est ça qui va être pratique pour le glitch. Utilisez votre grappin 3 fois d'affilée le plus rapidement possible en essayant de vous agripper au deuxième trou. Donc là je vais redescendre avec mon grappin car il n'est pas rouge, donc faites gaffe en redescendant, vous risquez de vous tuer, donc c'est pour ça gardez un peu de grappin pour pouvoir redescendre. Donc là je vais utiliser 4 fois pour vous montrer que vous pouvez, là quand il est rouge, ne tentez pas de redescendre. Passer par cette petite plateforme ou sauter dans l'eau. Donc cette plateforme, voilà, faites gaffe de pas la louper. Donc voilà, donc je vais essayer cette fois-ci de vous montrer la duplication. Donc là comme vous pouvez voir je me suis loupé et j'ai perdu pas mal de vie, donc prenez des kits de soins au cas où, vraiment au cas où, pour pas mourir et revenir à chaque fois. Donc voilà, donc je vais tenter cette duplication 3 fois le plus rapidement possible, et agrippez-vous au deuxième rebord. Donc là il y a une machette qui s'est dupliquée mais elle est rentrée dans le mur. Donc je vais redescendre, et là une machette s'est dupliquée en bas. Donc j'ai eu la chance, normalement elle se duplique que sur le mur. Donc là je vais refaire une tentative sur le mur pour vous montrer le glitch. Donc là je fais une fois pour voir si elle va se dupliquer juste devant, parce que quand c'est dupliqué plein de fois, elle se duplique juste devant à chaque fois. Donc là regardez, là j'ai fait 3 fois le plus rapidement possible et il y a une machette juste à côté de moi. Donc là, faites gaffe en redescendant, utilisez bien votre grappin. Ne faites pas comme moi. Moi j'ai 200 de vie. J'ai une vie où je peux jusqu'à 200, voilà. Donc regardez, j'en ai toujours 2 sur moi. Et j'en ai 2 autres dans mon inventaire. Donc j'ai déjà dupliqué 2 fois. J'en avais 2, maintenant j'en ai 4. Donc, ah, regardez, il y a un grappin qui s'est dupliqué. Hop, 2 grappins dupliqués. Vous pouvez aussi dupliquer vos grappins grâce à ce glitch. Donc vous pouvez dupliquer vos armes de poing et vos grappins. Donc c'est ça qui est pas mal avec ce glitch. Et en plus, on n'avait plus de méthode pour dupliquer nos armes après leur patch d'il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai un grappin, regardez, il est où? Là, regardez, j'ai 2 grappins. J'ai peine à les trouver. 2 grappins, bon je vais en balancer un parce que 2 je vois pas l'utilité. Donc hop, regardez, il y en a une qui s'est dupliquée au premier rebord. J'ai juste à sauter pour l'attraper. Hop, une machette en plus. Hop, 2 machettes en plus. 3 machettes en plus, voilà. J'espère que ce glitch vous aura plu et que vous allez réussir à le réaliser facilement. Je vais envoyer cette vidéo à la glitch AKFR en espérant qu'ils vont m'upload. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voyez ma vidéo sur une chaîne communautaire, passez voir ma chaîne qui est Benoît19Gaming. Moi je vous laisse sur ces images et ciao bye bye les gens. Kiss.